Alors oui, là, oui, c'est vraiment des vrais catcheurs, c'est des vrais sportifs. Donc il y a une différence entre le catch que les gens voient à la télé les catch, et le catch que les gens vont voir ce soir. Là, ils vont voir vraiment du sport, ils vont pas voir du catch scénarisé, ils vont pas voir de la mise en scène. Par contre, il y a toujours un côté spectacle. Le côté spectacle, c'est quoi? C'est les habits, c'est les froufrous. Mais après, dès qu'on est sur le ring, on revient directement au côté sport, vraiment le catch à 200%. Ouais. Vous venez d'où, vous? Alors moi, pour l'instant, j'habite l'Alsace, mais sinon, à la base, je suis lorrain. Ça fait 2 ans, je suis en Alsace et voilà quoi. Vous êtes organisateur professionnel ou c'est la circonstance qui a fait que? Alors, je suis pas organisateur professionnel, je suis catcheur avant tout. Mon but à moi, c'est de partager ma passion et donc avec la fédération, comme je suis, on va dire, entre guillemets, le responsable donc de l'Est de la France. Donc, je prends contact avec certaines communes pour justement travailler en partenariat pour faire des galas de catch. Parce que pour moi, il est important de partager donc ma passion et de la faire vivre aux gens. D'ailleurs, là, j'ai repris l'école, je prépare un BPJEPS donc dans le sport, pour que le catch puisse être enfin reconnu comme un vrai sport et non plus comme un spectacle, comme dans le temps il était vu, quoi. Des tricheurs. Ouais, c'était très très coriace. Ce soir, c'est la première fois que je faisais équipe avec Redjiré. Super partenaire. Il m'a un peu sauvé la mise, donc c'est cool. Et je suis content d'avoir fait cette victoire avec le champion de Lorraine. Super. Champion de Lorraine? Ouais, Lorraine, ça fait 1 an que je suis champion de Lorraine. J'ai combattu avec mon frère le 1er juillet et j'ai remporté l'année dernière, en 2013, c'est ça. Ouais. Et ce soir,
Avec mon pote Gilles, voilà, on les a bien... Vous avez été massacré aussi, vous ? Oui, mais à la fin, ouais. Mais une bonne équipe. On a quand même remporté la victoire, c'était cool. Et à faire très prochainement, j'espère. Ouais. Avec un partenaire digne de ce nom, très fort, très, très grand athlète. Contre un. Il a triché. Non, c'est pas de la triche, c'est inhumain. C'est une merde ce mec, c'est une loque. Il a rien dans le froc, même pas capable d'affronter le docteur Muller en 1 contre 1. Regardez-le là, regardez-le avec son frère, il dirait. C'est même pas Joris Fiac, ça, c'est une tafiote, mec, une tafiote. Qui vient en 1 contre 1, je vais régler son compte. Voilà. Il conteste le résultat. Conteste le résultat, j'ai rien à voir dans la décision de l'arbitre. Mon frère est venu, j'étais pas au courant. Ça m'a porté chance, et puis voilà, c'est tout. Hein. S'il dit que je suis une merde, tout ça, bah qu'est-ce que vous voulez? J'ai gagné, hein, c'est tout. Yeah.
combat qui aurait pu se terminer par un match nul. Vous étiez proches l'un de l'autre. Il n'y aurait pas eu de match nul, on aurait continué. Il n'y aurait pas eu de compte de 10, on s'était relevés tous les deux. Maintenant, on a tout donné. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver, qu'un champion de catch n'aurait jamais sur ses acquis. Il faut toujours travailler, faire face à n'importe quel adversaire. Lavigny était un adversaire de taille, 105 ou 110 kilos de muscles face à moi. Donc je me suis entraîné en conséquence, cardio, muscu, j'ai tout donné quoi. C'était un beau combat réglo, franchement je suis fier de lui comme je suis fier de moi. J'aurais pas transpiré, je serais pas tombé, on aurait pu continuer un quart d'heure comme ça. Mais... Dur ou mal quand même. Ah oui, oui. Bah, il suffit de me regarder. Hein.